Whatever supplies you may want or need, I suggest you grab them. Hey, thank you. Ça, je demande. Around, see if there's anything we can use. On se retrouve sur Last of Us. Nous étions arrivés ici après une échappée belle. Après être poursuivi par plein de zombies. Je suppose qu'on pouvait pas fouiller la pièce. Donc, bon. Attendez, le truc là. La commande. Ah oui. Tout à 20. Attends, j'avais déjà mis. C'est la manette, on s'en fout. On s'en fout. Aide à viser. L'assistance à viser attire subitement le réticule vers... Non, non, vas-y, dégage-moi cette merde. Michel l'a réutilisé la visée. Manipule la vitesse de la visée en fonction de la courbe de déviation du joystick. Ah oui, c'est pour la manette, on s'en fout. Ok. Non. Que je pense à virer les infectés des barrières. C'est la troisième fois ce mois-ci qu'ils se tassent contre la saloperie et finiront par la faire tomber. Dégager les barrières. You know how to play this? Yeah, pretty badly, yeah. I always wanted to learn. Hey, Bobby Fischer! Don't touch anything on that board! Bobby, what? Just let it go. Mais il veut qu'on touche à rien, hein? Chapitre 4. Longévité accrue des lames aiguisage. Aiguiser une lame réduit la force nécessaire pour couper ou perforer et augmente par conséquent la durée de vie de la lame. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un surin, hein. Bon, bah on a fait le tour.
Found everything you need? We're good. All right, Ellie, come on. Don't leave the door open. We got it. We have to cross to the other building. Up the stairs. Let's move it. Just stay with me. Can't believe you agreed to this bullshit, Bill. What you should have done, but just left him back. Well, vous allez attendre le temps que je fouille, hein? I'm gonna take a look around up here. Nothing in there that I need. Go ahead and take whatever you want. Thanks. J'ai vu un groupe de chasseurs s'approcher dangereusement de la ville. Heureusement, une meute d'infectés les a chassés. Rappel, posez plus de panneaux d'avertissement, montrez qu'on ne rigole pas. What kind of trouble are you in? Where the hell's Tess? It's just a job. Simple drop-off. What are you delivering? The little brat? Haha, fuck you too. C'est un grand amour entre eux deux. You know, I hope you know what you're doing. Are you kidding me with this guy? So where are we going, Bill? I got the safe house. More of an armory. Wait, I thought we were gonna fix up a car. We? You know how to fix Bill, just... That's like I said, what I need's on the other side of town. Now that side I don't ever go to because it's filled with infectors. So we're gonna need more guns. But... with a bat. A bat de baseball. Shh, shh, shh. There's one inside. Oh, I needed to take care of that. Relax, it's nothing. So, you didn't answer my question about Tess. Yeah, I thought the two of you were inseparable. She's busy. Yeah, sure. Sounds to me like there might be trouble in paradise. Yeah, something like that. All right, here we go. Why don't you fix one of these cars? Oh my god, you're a genius. I mean, the whole time, why on earth hadn't I thought about fixing one of these cars? Okay, don't be a dick. Their tires are rotted and their batteries are dead. You done? Can't even begin to think what the inside of the engine block looked like. Only ones making new car batteries are the military. God damn it! Lock and load. Simple shit, and now you're paying for it. You know what that means? Taking all the supplies from the warehouse. Okay, well, now he's talking to himself. Yeah. Then it'll take Bill, Joel, this way.
Up we go. On va monter là-dessus. Et là, je suis plein, alors je viens de recharger d'une balle. Il peut y avoir une planche qui va de là à là, je pense. Tous les habitants du comté d'Amherst et des environs doivent évacuer la zone avant 20h le 17 octobre 2013. Picked a hell of a place to hole up, didn't you? You know, as bad as those things are, at least they're predictable. The normal people that scare me. You of all people should understand. Je vais vérifier un truc. J'espère que ça a bien désactivé. Et de la visée à la con. Ouais, c'est bon. Stand that. What does that mean? Nothing. You sure that gate's gonna hold them? Je suis trop bon au shoot, quoi. So which way? We're here. It's in the cellar. Un badge. Un médaillon plutôt même. Oh, y'a rien. Y'a rien du tout. Ok, c'est parti. Right down here. Here we are. You don't touch anything. Can you close the door? Let's gear up. Uh-uh. What? I need a gun? No, you don't. Joel, I can handle myself. No. Just stay here. It's fine. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. It's up there. How in the hell is Tess okay with this suicide mission? It's actually her idea. Really? Well, the broad's not as smart as I thought she was. But, fuck her. It's for you, c'est pour nous. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing, let her find her own way. But let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. Partner. Somebody I had to look after. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. So you know what I did? I wisened the fuck up. And I realized it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. Is just like that. Hey! What I say to you when we walk down the steps? What I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. God damn it. Yeah. You keep babysitting long enough and eventually it's gonna blow up in your face. Can we please just get on with it? Here. Let's get on with it. Yeah.
On va faire comme les Shadok. All right, before we go any further, I got something I gotta show you. What you got? New toy from the toy box. Alors, laisse-moi le temps de fouiller ta baraque, là. C'est mon cerveau quoi, il y a des circonstances qui apparemment il y a des sortes de saccades. Un groupe de coureurs a déclenché la plupart des bombes au sud de la ville. Il va falloir faire un autre passage. Ne pas oublier de noter les emplacements des bombes sur la carte. C'est sûr que ça pourrait être utile de faire une note. Non, oh, sur un, j'achète. Bah, y a pas grand chose, voire pratiquement rien. Deux, trois merdes. Deux merdes même, rien. Ok. Alors fouiller en bas. J'achète. Ah, une pince. On va pouvoir faire des étuis, je crois. C'est ça qui nous manquait pour faire des holsters. Attends, on va faire d'abord le tour. C'est plein, t'as plein. On peut en faire plus, non? 3 sur 3, 3 sur 3. Allez, vas-y. Hop là. Là, c'est les notes. Et on a que 20, donc on va attendre. Tournevis, ça peut faire un sur un. This is a nail bomb. You gotta be really careful. This thing blows, it shreds anybody standing there by. Oh. Une bombe à clou. Automatiquement, elle approche d'un ennemi. Ok. Cool, une nouvelle compétence. So we got shotguns and bombs. What the hell are we doing? Well, every few weeks this military caravan rides through town. I assume they're out looking for supplies. Il y avait un truc là, il y avait rien. Anyway, d'un coup, il y a un truc. Months back, they were rolling through and they get over. Ah, du fait que j'ai un bombe à clous, ça m'a fait rouler des plows right in the side of the high school. Still sitting there with the battery in it. So we take that battery and we put it in another car. Bingo. I wanted to get it, but it seemed too dangerous with all the infected on that part of town.
Fuck it. Joel needs a car. Hey, what if it's damaged? Nah. Those trucks are like tanks. Just sitting there. Actually, my work. Kid, I swear to God, if you took anything... Oh, ouais, t'enflamme pas. Trust me. Je t'ai pas dit que j'étais prêt à partir. Joel, you are keeping an eye on me. Tabli, like a hawk. Allez, c'est parti. Holster. Bah oui, direct. On pourra permuter d'une arme à une autre sans avoir à sortir notre sac. Ça va être un gain de temps énorme. Ok, ouais. Je crois qu'on peut faire aussi pour le fusil. Bah oui, qu'on va le faire pour le fusil. Hop là. Allez, pile poil. Ce qu'il nous fallait. On va le faire. Hein. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Celui-là, capacité, est-ce que je peux augmenter sa capacité, sa charge? Augmente la capacité de 2. Vitesse de rechargement permet d'utiliser votre arme plus vite. Plus de balles, hein. Plus de balles dans le chargeur. Et lui, on fait faire quoi, lui? Et on peut lui faire... Ça, c'est 20. On peut lui faire... Oh, merde. Ah, peut-être celui-là, hein. Ouais, c'est celui-là, lunettes capacité. Vitesse de rechargement. Capacité de chargeur plus 1. J'irai plus la capacité de rechargement. Ça, je rechargerai beaucoup plus vite quand je tire, parce que c'est lent, hein. Fusil à verrou, là, c'est calculasse. Ok. Ajouter une lunette à l'arme. Oh, pff, non. Non. Une balle en plus. Voilà, si on peut pas augmenter le recul. Fusil à pompe quand même, c'est un bon truc. Vitesse de rechargement. Recul, est-ce qu'il y a vraiment 20 et 10? Vas-y, je peux faire les deux, tu me diras. Allez, on va faire les deux. Hop, la crosse. C'est bien foutu, hein. C'est quand même stylé, hein. Tu vois, il change son arme, hop, il change de pièce, il démonte. Hop, et vitesse de rechargement. Le pompe. Ça pompe. Hein, voilà, on a plus de thunes. On a plus de ferraille. Là-dedans, je peux rien faire. Ça, je peux rien faire. Voilà, hop, c'est bon. On est paré. Voilà. Et là, maintenant, est-ce... Non, je peux pas ramasser. Hein. Non, peut pas. Alors, donc. Merde, j'ai oublié que... Merde, j'ai oublié qu'en visée on tire. Je sais pas pour qu'il recharge. Putain, je viens de dépenser une balle pour rien. Bon, tant pis. Donc, si j'appuie là, je
passe sur le flingue. Le pompe. Pompe it up. Hop. Pistolet. Et l'autre pistolet. Parfait. Nickel. On va refaire un petit tour, des fois que on aurait loupé quelque chose. Au pas de course, bon, au pas de trottinage plutôt. Non, parce que le monsieur n'est pas pressé. On va pas le bousculer. Bizarre, c'est l'étagère vide là. Ah, moi, cette caisse à outils, il y aura sûrement des trucs là-dedans. Bon, là y'a rien, là y'a rien. Bon, on a fait le tour. Hein. On est parti. Ah oui, ça c'est pas bon, bien. C'est parti, mon geeky. Allez. En avant, Gaston. Nice place you got here. Qu'on fait du pompe. Well, if you got anything to confess, this would be the place to do it. Alright. Time to sack up. Allez, come on. Look, there's a school. All right. Ready? Guess we'll find out. Attendez les gars là. C'est moi fouillé. Sinon on va pas être potes. Quoi, oh, la vache. Vous avez quelque chose? Pas de médaillon, y'a rien. Yeah, come on, you don't need to be looking at that. Oui, oui. Un sacré charnier. Ok. Bon, bah. On est parti, les amis. Past this gate, it's all new territory to me. I'm on it. Hey, hey, you guys hear that? Keep quiet. Can you hold? Oui, il y a du monde. Ils sont où? Non, non. Alors. On a un. Ah oui, il faut pas que je reste devant lui, c'est vrai. Les mecs qui marchent avec les colocations. Oubliez ça. Ils sont sourds, mais t'inquiète, c'est des chauves-souris, les mecs. J'en vois un, deux. Ok. On va faire la technique. Technique de viens par là, j'ai un barbecue. Ils sont morts ? Je crois qu'ils sont morts. Oui, ils sont morts. Ok. Con pour deux mecs, j'aurais vraiment. Vraiment voulu qu'il y ait plus de gens qui viennent. Oui. C'est au-dessus? Ah, ça va être au-dessus.
Ils ont rien lâché. Ah, merde. Hop, dans une bouteille. Ah, c'est par là. Ok. Tu peux vraiment pas avancer vite, hein. Changer. Ouais, je préfère la brique. Et voilà. Tu peux rejoindre le jeu plus simple, tu vois. Hop. 1, 2. Là. Mais bon, c'est moins drôle, quoi. Barbecue. Ah, ça va être le troisième encore. Il est pas là. Il est pas mort, le bâtard. Est-ce qu'il est tout seul? Ça me fait peur. T'es venu là, j'ai cru qu'il allait s'exciter. Hop. Donc après, ouais, je sais pas. Oh, quoi que ça l'aurait attiré, peut-être. Ouais, c'est vrai. J'aurais peut-être pu envoyer un à l'heure ici, et un cocktail. Alors. Vérifions ça. On peut se faire ça. Allez, on s'en fait un autre. C'est quand même les molotov. Ça marche bien. On n'a plus de projectiles. Je crois qu'il y en a quelque part. Je crois qu'on a laissé. Tiens, il y a une bouteille là. Et je crois qu'on a laissé là-haut. Non, il y a une brique ici. Hop. Un seul. Ah bon, je pensais que je pouvais en avoir plus. Ok. Économisons des balles. Technique de la brique. Alors, ils sont combien? 1, 2. On va ajuster ici. Oui. Allez, venez. On ramasse. Un mort. Deux morts, c'est bon. C'est bon. Bat de bout de bois, on s'en bat à la rate. Alors, on est chaud.
Hold up. I got a key for that gate. Là. Il n'a rien lâché. Parce qu'il lâche pas forcément pile à l'endroit où ils sont. Hein. Mais pas les trucs qui sont un peu plus à un mètre. Ok, bon, bah y a rien. Ah, ouais, je suis plein. Easy, easy. C'est quoi, on va faire subterfuge, on va utiliser une brique. On va l'acheter là. Ah, à chaque fois je vais ouvrir mon sac, ah vas-y. Et puis c'est brûlé, hein. C'est bien, ça a attiré l'autre, il est mis loin quand même. J'espérais que ça attire... Ah ouais, il est... Un creeper. Un claqueur, du moins, pas un creeper. Alors, qu'est-ce que vous m'avez donné de beau? Les pompes. On va jouer du pompe alors. You weren't kidding about this place, were you? Alors, j'ai plein. J'avais 12 balles tout à l'heure, non? Ou c'est moi qui ai la berlue? Ok. Normalement, il n'y a plus que rien, hein. Il n'y a personne qui vient. Ou alors, ils sont trop loin pour entendre le fusil claquer. J'ai entendu quelque chose. J'espère qu'il va y avoir des trucs quand même là. Ah, médaillon. Et qui? Peter Mrozik. Ok, Peter. T'as pris une balle dans ton médaillon, ça a pas l'air de t'avoir sauvé étant donné qu'il a traversé. Sont doucement mais sûrement. Il y a tellement de tissu, tu peux pas faire plein de petits bouts de tissu pour faire des cocktails ou autre. Rien.
Question, c'est combien ils sont? Qui traîne. Allez, viens, viens mon petit. Bizarre, genre j'ai l'impression que le truc il vise c'est bizarre. Vraiment la sensation que c'est pas moi qui vise, qu'il y a un viseur tout sur le truc que j'ai désactivé, c'est quoi ce bordel? Oh, c'est vraiment étrange. Ils ont rien à offrir là. On a bien fait de monter sur le toit. Bon, on va aller chercher les munitions qu'on a laissées là-bas du coup. Ah, c'est con ça. Ah non, j'ai rien dit. Ah bah, encore sur deux. Sur trois. Un peu con. Le corps disparaît comme ça. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau? Tous ces tournevis qui feraient des très bons surins. Et comme vous pouvez voir, je peux courir. Ça fait plaisir, on peut fouiller rapidement, sans mettre 3 heures à faire le tour. Bon, par contre, faut bien regarder. Tu peux vite passer à côté de quelque chose. Ou des flèches, j'achète. Merci. Alors, qu'avons-nous ? Nous avons de quoi faire un bandage. On va garder pour l'instant. On a combien de points? 25. On va garder, ça sert à rien.
Comment on se penche? What about this? This way. It's tied on the other side. What about going through here? What, the doggy door? Comme si j'avais un couteau pour couper la corde, hein? C'est tout ce que j'ai sur moi. Be very careful. Of course. Il y a quelque chose pour couper la corde. Maybe you should have given her a gun. Okay, Bill. One of those clicker things inside the house. Oh, shit. I ain't seen this yet. You stay down. Careful. Eh ben, on va faire la technique de tout à l'heure, hein. Approche de plomb. J'espère qu'ils sont deux. Je vais regarder les suivants. How far is it, Bill? We're getting close now. Contre la porte, on va retourner en arrière. J'aurais bien voulu aller chercher les munitions qui sont restées derrière. Bon, du coup, je vais compter sur ces munitions, là. Ils ont rien lâché, hein. Il n'y a pas de plantes. Y'a vraiment rien dans tout ça là. Tous ces trucs, y'a rien à ramasser. Ah. Voilà. Des balles. On veut des balles. Hop, on va se faire un cocktail. On a trois bandages donc ça ira. Sur un, on est full. Bombe à clou, on n'en a pas besoin. On est toujours à 25. Ok. Hey, come on, let's get up. On your RV and over. Should be clear. Tiens, là, je peux plus courir. Il y a plus d'action. Je peux plus courir. C'est n'importe quoi. Ah, là, je peux pas y aller. Il y a un buisson à deux balles. Some idea who might have come through here. School's on the other side of this house. Let's get inside. Des jumelles. Je peux pas les utiliser. Il regardait quoi? Il regardait quoi d'ici? Rien. Ah, il y a une plante en bas. Là, je peux courir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des ondes? Il y a des Z dans le coin?
Oui, je me mets en dessous. Ah bah merde, elle est déjà tombée. Si je me mets en dessous, si elle me tombe dessus, qu'est-ce que ça fait? Alors, un médaillon là-dedans? Plusieurs ou pas? Ouais. Alors, est-ce que... Ouais, on va aller. On va en faire. Voilà. Ça en a... Merde. On a deux bombes à clous. Excuse-moi. T'es pas net, hein. Oh, sur un. Somebody's bitten, right? Nope. I'm good. We're all fine. Let's just keep going. Attends, il y a un étage là. Attends, il y a un truc là. Oui, un truc. Ouais, bah t'attends deux secondes, garçon. Je crois même que tu attends plus de deux secondes, hein, parce que là, il y a un étage. Qui dit étage dit loot. Ouais, on va tout ça là. Ça qu'on veut. Octobre, c'est officiel. L'école est fermée pour une durée indéterminée. Cette épidémie aura au moins un effet positif. Pas d'école, égale pas de devoir. Ça me va très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre? 5 octobre. Maman et papa se sont disputés. Ils se crient dessus tout en chuchotant. Bizarre. J'ai cru comprendre que maman voulait aller chez sa sœur. Papa lui a dit qu'on était en sécurité ici, que l'épidémie ne nous atteindrait pas. 6 octobre. Papa m'a engueulé parce que j'écoutais la radio. Il dit que les infos racontent que des conneries. Maman lui a donné raison en essayant d'être convaincante, mais je sais qu'elle flippe. Ils flippent tous les deux. 7 octobre. Je crois que papa s'en veut. Pour hier. Gadget a dormi dans mon lit et papa n'a rien dit. Il est entré, l'a caressé, a soupiré et il est reparti. Je l'avais jamais vu comme ça. 10 octobre. Papa a consolé maman hier soir. Tante Karen est morte. Du moins, c'est ce que je crois avoir entendu. Au petit déjeuner, personne ne disait rien, comme si rien ne s'était passé. J'ai joué le jeu. 15 octobre, l'officier Jones est venu parler à papa, ou plutôt il est venu chuchoter avec lui. C'est la mode, ces jours-ci. Ensuite, papa nous a dit qu'on devait quitter la ville, changer de maison, et que des militaires nous protégeraient. J'ai le droit d'emporter qu'un sac. Maman n'a pas réagi. 16 octobre, on va. Où on va? Les animaux ne sont pas admis. On est allé jusqu'à la sortie de la ville avec Gadget. Je vais relever son collier et je vais laisser partir sur la route. Sur le retour, papa n'a pas arrêté de dire qu'il irait bien, qu'il était fait pour vivre dans la nature, en liberté. N'importe quoi. 17 octobre. C'est l'heure. Papa dit qu'on sera de retour en un rien de temps. Je crois qu'il se gourre. Journal intime.
Ok. C'est tout? Hey, you got a second? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? Allez, parle. Tu veux qu'on parle? Oh, on speak. Ok, alors on se casse. J'ai fait des belles trouvailles. Hop. En roche, astuce. Allez soulever la porte au garage de Bill. Quelle astuce! Waouh! Hey, c'est pas de l'astuce de compète, ça? Hein? Me dire que d'aller soulever la porte du garage de Bill? De Bully Bill? Allez hop, c'est parti. Attends, attends. Oh! Des flèches, je suis full, parfait. Ouais, 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 astuce. Attention, soulever la porte du garage avec Bill. Vas-y, continue de spammer. J'adore tes astuces. Très constructives. Oula, oula, oula. Oula, oula. There's that truck sticking out of the school right there. Come on. Loin, non? There's a bunch of them up there. So try not to make a sound. C'est à moi que tu dis ça. Je suis le roi de la pantoufle. Je marche. Et ben les amis, ça fait 57 minutes. On va se laisser là. On va faire une petite save avant que ça parte en quenelle. Là. Hop. C'est la partie. Donc là. Celle-là ne sert à rien. Donc on la vire. Ah, ça c'est l'auto. On va à 14, 27, 15. Et donc, nous nous retrouverons la prochaine fois pour la suite de notre aventure. En attendant, je vous dis salut tout le monde. Ciao!